Salut tout le monde, c'est Agito et bienvenue pour ce 43e épisode de notre série sur Tales of Symphonia Remaster sur Nintendo Switch. On est de retour à Silverhunt et plus précisément à Palma Costa. On m'a parlé d'une ferme qui se reconstruisait sous la mer, donc il va falloir qu'on aille voir ça. Mais juste avant, étant donné qu'on a les ptéroplans, on va pouvoir visiter certaines zones qu'on n'avait pas visitées. En tout cas, au moins récupérer les coffres qui traînent justement dans ces zones n'était pas visitable auparavant. Asuka, fascinant. Donc je vais aller faire ça très rapidement. Voilà, ptéroplan. Je vais chercher les coffres qui traînent par-ci et par-là. Et après, on se retrouve pour la suite de l'histoire. Voilà. Alors, on a un petit coffre ici. Omnidiviseur. Oh, cool ça. Et en plus, une scénette. On va éviter les monstres. Pouf. Alors. Ah, pas de casino, pas de bar, même pas de nana. Je m'étais pas rendu compte que cette quête allait être si rude. Quoi, dans le village où j'ai grandi, il n'y avait pas de casino ou de bar, mais c'était bien quand même. Mais toi, t'es qu'un... Va te faire aimer, Zelos. On te déteste. Dégage! Bah vas-y! Je sais pas ce qu'on a dit, mais bah vas-y. T'as pas de cœur, il est méchant avec moi, il me dit que j'ai pas de cœur. Super, allez. Un autre coffre ici. Juste à côté. Je l'avais jamais ramassé celui-là. Hein. Ok, bon, on va aller le prendre. Hop! C'est quoi? De la poudre? J'ai pas le temps de voir. C'est de la brume magique, cristal. Quand on a la fumée, augmente la vitesse de fuite. Ok, bon, pourquoi pas. Hein. Ah, un coffre ici. Sarriette rouge. Au bout du bout à l'est. Air spécial augmentant les PM max de 10%. Et après, on peut l'améliorer pour que ça fasse quelque chose de mieux. Mais je vais peut-être le donner comme ça en vrai. Toujours pour Rain, je pense, pour les soins. Après, j'avoue que des PM pour moi aussi, ce serait cool. En vrai. On est que j'en manque. Mais bon. 425 PM, on remet. Plus 10%, ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup. Bon, j'ai donné à Rain. Voilà, 460, on est bien. On a un petit coffre ici. Après, la tour de régénération de... Ouais, la sauge rouge. Pareil, point de vie maximum. 4000, elle, pile poil, hein. Qui je pourrais donner ça? Elle, elle a pas beaucoup de points de vie encore, Rain, hein, ça serait bien. Hein. Après, autant de points de vie, étant donné que je vais à l'attaque et tout, ce serait plutôt cool aussi sur moi. Allez, hop. J'ai craqué. C'est sur moi. Et le romarin, la précision d'un point, c'est vrai que c'est pas foufou. On va mettre ça aussi sur moi. Ah bien, je continue. L'arbre de l'Inquité. On va aller voir ça. Ça va être pour plus tard, j'imagine. Ou c'est un endroit où je m'étais reposé. Examiner. On dirait que c'est l'arbre de l'Inquité dont a parlé la famille du professeur Nova. Il est mort. Lloyd, retournons voir le professeur Nova et confirmer les informations que nous avons obtenues. Oui, on a déjà oublié beaucoup. Je me demande où il se trouve maintenant. Non, pas... Ouais, nous n'avons plus qu'à chercher des informations dans les villes et essayer de le trouver. D'accord, allons-y. Ouais, bah après, ouais. Par contre, ce Nova... On va partir d'ici. Apparemment, tout au fond, c'est le village Minouz. Donc au pire des cas, on va aussi rentrer dedans pour voir un petit peu ce que ça donne. On va esquiver les monts, je vais visiter un peu les zones, les routes qui s'offrent à moi. Bon, normalement, il y a un coffre sur la grande route principale. Donc on va aussi aller le récupérer, on va voir. Hop, oula. Annuler fuite, on va les faire. Ils m'ont l'air rigolo. J'ai envie de les faire. Si on perspicace, en effet. Tatatatatang. Ils ont beaucoup de points de vie, hein. Déjà, ils résistent un peu plus, ces monstres. Ok. Plein de pingouins différents. Et plusieurs couleurs. Ta 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 ta. Oh yeah, ça me très bien. Tra. Potion de miso et potion de palma. Ok. Comment gaspiller la moitié déjà de CPM? Un combat. Ouais, c'est chaud. Hein. En plus, on a l'huile. Du coup, commande de retour ici. Alors, je vais comme ça. Oh, bah parfait ça. Tic. Voilà. Et on va monter sur Noya. Ok, on esquive. Donc ouais, lui, si j'arrive à me faire assez de fric, ce serait bien qu'on arrive à le reconstruire. Après, est-ce que... Aujourd'hui, mes équipements sont pas plus puissants que ce qu'il y aura dans la boutique de Luin. Ça, je sais pas, vous me le direz. Hop, pour annuler. On les remet. Parce que là, j'ai des équipements qui sont quand même très forts. Après, l'une, ça peut être encore plus fort. Moi, je vais faire aussi, tiens.
Donc ce serait complètement craqué si on avait déjà construit l'huile depuis tout ce temps et récupéré les équipements là au terme. Après, vu le nombre de flouzes qu'il faut donner et après il faut acheter les équipements derrière, ça coûte très cher tout ça. Hop là. Et c'est aussi marrant de, bah, de reconstruire l'huile en sachant ce qui se passe dans TOS 2. Alors ça me disait qu'il y avait un coffre quelque part sur le chemin, je l'ai raté. C'est encore un peu plus loin. Je sais pas ce qu'elle a cette menthe religieuse à taper dans le vide. On est même pas là. Elle mord. Vas-y, on continue sur cette route. Ah bah elle est là. Des vitamines. 30% des PV de tous les personnages. Ça c'est bien ça. Faut les garder vraiment pour la fin. Et pas les oublier parce que je suis sûr que je dis ça mais je vais clairement les oublier plus tard. Le village des Minous. Voilà. La musique. Excellent. À l'épicerie des Minous. Mitaine Minous. Paire de mitaines en forme de patte de chat. Oh. Coûte cher par contre. 9900, j'ai pas ce qu'il faut. Peut-être que je vende des choses. Très bien. Attrape aucun poisson. Aïe 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 aïe. Ah c'est pas cher, 50 flouzes, mais j'en ai pas besoin. Donc ça m'ira. On est... Exactement. Ah, je les avais pas vus là en bas à gauche, on va aller les voir après. L'agence des examinous. Ok, ça c'est pour les coffres. Je peux pas lui parler lui? Non. Quel délire quand même. Qu'est-ce qu'il fait papy? Je suis la mère du village. Oh, il y a un gros poisson derrière. À gauche du message. Parce que je tourne en rond, c'est parce que j'ai mangé de l'herbe à chat, alors je me sens bien. Il tourne de l'autre côté maintenant. Bon, il m'a l'air bien heureux. Oh, le gros poisson est là-haut. Excellent, ça. Nyon. Jette du feu sur un chat, ça fait de la chaleur. C'est rigolo, ça, je suis youtubeur, c'est pas pour rien. Cet arbre est de plus en plus fin depuis que je fais les griffes dessus, ça fait mal. Pourquoi je n'arrête pas alors? Parce que je ne peux pas, miaou! Quartier général, là. Miaou, nous attendons. Ok, bon. Peut-être un Wonder Chef ici, hein. J'ai pas fait attention, mais... Bon, à toi aussi, tiens. Ouais, merci. Ok. Bon, bah on ressort et puis on verra... On a pas le Macosta pour la ferme humaine là-haut. Ah, je l'avais pas récupéré celui-là? Bah écoute, c'est fait maintenant. J'ai dû le rater. En passant juste à côté. Hop. Ferme de Palma Costa. C'est celle-là, non? Ouais. Ah! Et ça fait combien de temps qu'ils attendent aussi? Oh, ça m'intéresse. Oh, ces jolies moustaches. C'est vrai qu'on vous avait mis la misère, hein, l'autre fois. それはおとぎ話じゃないんですか。大樹カーランは実在した。しかし、古代カーラン大戦によるマナの枯渇で彼、今では聖地カーランに種子を残している。だから最後の封印に大樹の種子が。 我々はその種子を大いなる実りと呼んでいる。ミトスの魂のこと？それこそおとぎ話だ。世界にマナを供給する大いなる実りとは、二つの世界を一つに戻すためには大いなる実りが必要不可欠だ。二つの世界を。私はかつて言ったはずだ。ユグドラシルが二つの世界を作ったと。もともと
世界を2つに引き裂き、世界を2つに引き裂き、ユグドラシルにはできた。そして2つの世界は大いなる実りから滲み出る、わずかなマナを奪い合って。だから繁栄と衰退が繰り返されて再生の巫女が旅立つ。しかし大いなる実りが発芽すれば、それも終わる。どうしたら胎児が復活するんだ。大いなる実りは死滅しかけている。 それを救うために純粋なるマナを大量に照射する。そんなもの地上にあるわけがないわ。クルシスの拠点がある。デリス・カーランは巨大なマナの塊でできた彗星だ。それをこの大地の遥か上空につなぎ止めている。だからそれを使えばいい。それが本当ならどうしてユグドラシルは大地を復活させないんだ。いや、d'autres convictions. マーテルを復活させるために。そんな。マーテルはクルシスの奇跡の力で大いなる実りに寄生し、心だけが生きながらえている。オッケー。マーテルが目覚めれば大いなる実りは彼女に吸収されて消滅するだろう。それを阻止するためユグドラシルはマーテルが寄生した大いなる実りを。だからレネゲードはマーテルの復活を阻止しようとしているのね。 我々は大いなる実りを発芽させる。その結果マーテルは種子に取り込まれ消滅するだろう。そして大樹カーランが、もしそうなったら2つの世界は元に戻るんですか。それは分からんが、種子が消滅すれば世界は滅びる。だからマーテル様には涙を飲んで消えてもらうってが。 マーテルはすでに死んでいるのデリス・カーランも。マナがなければとうに心も消えていた。どうしてユグドラシルはマーテルにこだわってるの。それはどうでもいいことだ。問題は大いなる実りを発芽させること。今まで大いなる実りは衰退世界の精霊によって守護されてきた。マナの楔だな。そう。そして楔は抜け始め、 大いなる実りの守りは弱まっている。私たちは2つの世界の精霊と契約をしているからですね。なるほど。だから私たちと手を組みたいのね。私たちにはシーナという召喚師がいる。イバリノワン、お前はクルシスか。それともレネゲードなのか。私はクルシスであり、レネゲードの当主でもある。 要するに裏切り者で。エグザクト。どうするのだ。分かった。信じるの、ロイド。ウェイ、ラピッドミュージック。ラピッドミュージックボナー。こいつは自分の裏切り者としての立場を明かした。それってやばいことなんじゃないのか。私も信じる。お前たちはロディルの牧場へ向かうのだったな。ウェップ。 本当によく知ってるね。こっちに密偵でも放ってるんじゃねえのか。本当だよな。まあいいや、魔導法ってのが完成する前に。それにロディルには貸しがあります。牧場と魔導法はシステムが連結しているはずだ。完成室を無効化すると。やけに詳しいわね。我々も ロディルの牧場に潜入する必要がある。奴の牧場の入り口まで道案内をするが。どうするもこうするもねえよ。手を組むんだろう。当然。あんたたちは何のために牧場へ向かうんだい。マナを大いなる実りに照射するための準備だ。その準備のためにレアバードの空間転移装置が使えなくなっている。テセアラへ戻るのは牧場潜入の後までまで。 いいな。分かった。準備ができたらボータに声をかける。あとは頼むぞ、ボータ。分かりました。 Bah ouais, bah nous on est prêts de toute façon. Même si voilà, j'ai perdu un peu de points de vie des PM. Let's go. Hein. Ouais, on est prêts. Nous sommes prêts. On y va.
Nous avons du travail à faire ici, sur le réacteur à Mana. En tout droit, on devrait se retrouver à la ferme humaine. A compris. Encore une chose, il semble que vous détruisiez toutes les fermes humaines où vous allez. Nous avons besoin du réacteur à Mana pour faire germer la graine suprême. Détruisez pas celle-ci. Ok, monsieur. Je ne les détruis pas par plaisir, tu sais. Pour désactiver le canon à Mana, il faut se rendre à la salle de contrôle. L'intuition me dit que c'est probablement la salle la plus éloignée de l'entrée. Pff, logique. Hein. Elle est à l'étage la plus élevée. Tu es génial, Lloyd. Ouais, nous avons vu assez d'endroits de ce genre. Alors ça devient plus facile de se repérer. Bon, eh bien, allons-y, trouvons cette salle de contrôle. Oh, oh, oh. C'est stylé, hein. C'est vraiment stylé. Il y a des ennemis partout. Très bien, on va aller côté gauche avant. Bram. Ah, ça n'a pas touché. Ça n'a pas touché. Bon, on va vous combattre. Oh, il y a du monde. Il y a du monde. Voilà, non mais oh. On touche pas à Prezea Soraki. Grand croix. Oh, pas mal. Pas mal comme sortilège de lumière. Il y a des boules là-haut qui tournent. C'est rigolo. Allez, je regagne des PM un petit peu. Voilà. Niveau supérieur en plus. C'est cool. Ah, c'est pas une porte. Ok. Bon, je vais affronter tout le monde ici. Puis on va voir l'endroit où faut choisir. Oh, elle a pris annulation. Elle peut annuler des choses. Trop bien. Faible baiser, elle fait. Mais bon, ça va marcher. Annulation. On va voir ça, à quoi ça ressemble plus précisément. Rain. Annulation. Annule les altérations magiques de tous les personnages. Ah ok, ouais bah c'est cool en vrai. Ça annule pas un sortilège ou un truc que quelqu'un lance. Ça aurait été stylé ça par contre. Ça lance un sortilège, annulation encore plus rapide, bram. T'annules tout. Alors. Est-ce que c'est un petit jeu où j'allumais toutes les lumières sans repasser par la même case et donc finir par le dernier peut-être au milieu? Ah non, ça peut se réteindre. Ok. Bon bah je pense que... Globalement, est-ce que ça a marché comme ça? Est-ce que je peux faire en dernier celui-là et ça compte? Oui, ça compte. Ok. Après, de toute façon, si je désactive celui-là, je pourrais refaire ça, quoi. Ça fonctionnait aussi. Bah toi on va t'affronter aussi hein. De toute façon il me faut la gemme hein. Alors lui il a utilisé un sortilège mais tant pis je vais le laisser faire. Oh là là. Spoumette. Oh la violence. Allez toi, tu fais regagner de DPM. Infirmière elle a soigné toute seule. J'ai rien ordonné mais on est bien. Ouais par contre ouais, Rain manque vraiment plus de PV par contre hein. 700, sauf qu'elle joue vraiment distance. Hop. Je l'ai mixte. Allez, on prend tout ça. De toute façon, les gelées, j'en ai encore assez. C'est cool. Ok. C'est la même chose, mais avec déjà des trucs allumés. Limite, je vais faire ça. Ah non, je peux pas repasser par là. Ah, ah merde. Ça, c'est ballot. Je vais faire le petit tour, mais au final, non, je peux pas. Ah d'accord, ok. Je vois comment ça fonctionne. Ok. C'est juste le tout dernier que je peux pas y retourner. En tout cas après je peux le réteindre par derrière quoi. J'ai envie d'y aller au pif pour celui-là. En mode YOLO. Et voir si ça passe. Ça passe? Mais non. Incroyable. Après il y a peut-être plusieurs chemins possibles mais j'ai vraiment fait au pif là. D'habitude je réfléchis toujours pour ce genre de choses, je me suis dit allez vas-y. Fais le fifou, bah ça fonctionne. Let's go. Bah ouais en façon on va vous combattre vous aussi hein. Tous ceux qui traînent. Oh tiens, on va tirer un sortilège. Allez, faites des flammes de l'autre côté. Peu nous importe. Hop. Voilà lui. Voilà. Toi tu mérites de prendre ça dans le dos, mais t'as réussi à te protéger. Blah. Aïe, toi. Mais ils font rien en dégâts en vrai.
Et ça passe quoi. Tchou tchou. Invoque le champ sacré. Ok. Ah c'est déjà fini, trop fort. J'ai même moyen, voilà. Bon après est-ce que ça mérite. Ouais quand même que je fasse des combats pour monter de niveau. Je vais voir, hein. Si j'avais beaucoup d'XP encore à avoir, bon, un peu la flemme. Mais là, au final, ça mérite de les tuer. Là, c'est vrai que son boost de puissance, par contre, c'est fou 1,5 les dégâts, je crois, l'impression. Pas mal, hein. Alors, j'ai mon truc qui est prêt, mais je vais pas l'utiliser. Elle a fait des, fait des petits bisous. Testé. Et par là. Il y a un bruit étrange. Les machines d'installation résonnent en produisant le son de l'anneau de sorcier. Je vois alors ce son agit comme une clé dans cet endroit. Ouais, c'est aussi ce que je pensais. Ouais. Pas monter plus haut. Il me semble que c'est le seul ascenseur dans toute la ferme. Au terme, les décisions utilisent cet ascenseur pour accéder à des étages supérieurs, ce qui veut dire que la solution est simple. Que devons-nous faire? Nous allons faire en sorte que les décisions l'actionnent pour nous. Au terme, il faut créer une situation dans laquelle ils seront obligés de l'actionner. D'accord, c'est bien ce que je me disais. Qu'est-ce qu'on va faire? Créer une diversion. Les prisonniers pourraient commencer à se révolter par exemple. Et nous attendons que les décisions fassent bouger l'ascenseur. Naturellement que nous puissions nous faire puissions-nous permettre d'être fair play. Je sens un peu mal à l'aise de faire ça, mais bon, allons-y. Ouais, bon, utiliser les autres pour nous, quoi. Ok. Charme de pierre. Je vais activer ça après. Vajra, ok. Là, on a des prisonniers. Et un bâton béni. Alors, c'est... Ok. C'est une carte, ça. Et un bâton béni des dieux. Hop. Voilà. Allez. Boum. Ça marche pas? Non. Ouais. Et on appuie sur l'interrupteur. Bon, faut appuyer sur tout ça, pardon. Ah bah vas-y comme mécanique quand même, hein. Ils auraient pu faire un truc où les 4 doivent activer en même temps parce que là... C'est pareil qu'utiliser qu'un seul bouton. Mais... Ah c'est toi qui organise l'évasion, mais... Ah c'est bon. Ça fait peur, président. Ils sont complètement disparus là. Sont-ils morts? C'est marché, Lloyd. Prenons vite l'ascenseur pour le dernier étage. Ouais. Montez. Y avait rien chez les. Attends. Attends. Parce que j'ai ouvert des grillages. Bon, j'ai pas vu de coffre, mais j'ai quand même envie de vérifier au cas où. Sait-on jamais? Non, c'est bon. Je peux pas aller à l'intérieur. On va avoir des petits secrets comme ça, hein. Allez, rentre, Lloyd. Te prends pas les murs, s'il te plaît. Piou, on monte. Et on poursuit notre route. Ten. Oula. Ok. Ah. Très bien. Est-ce que ça emmène, je sais pas. Toujours à gauche, je sais pas s'il y a des trucs. Ah, le bruit, je déteste ce bruitage. De l'autre côté. Tac. Tac, tac. Je pense pas qu'il y a des coffres à aller chercher ou autre. En tout cas, j'imagine. Très bien. Ça, je m'en sors plutôt bien pour le moment. Je vais rester de ce côté. Touc touc. Hop.
Non. Ça tombe. Ah, ça tombe. Ah non, il faut retourner en arrière en plus. Ah, les salopios. Alors, on va là. Ouais. Comment je remonte, moi? Parce que tout va me faire descendre, là. Voilà, voilà. Ok. Blam, blam. Ça, c'est bon. Je vais essayer l'autre, tiens. Tant qu'on y est. On va mettre ça comme ça. On va essayer le deuxième. Est-ce qu'on peut mettre pause? Non. Par contre, on peut faire ça. Ok, celui-là, c'est forcément du vide. Ok. C'est vu, c'est entendu. On l'aura essayé. Donc on va rester sur l'autre là-haut. Qui était plutôt bien. Alors, par contre c'est là. Tac. Est-ce que celui-là va pas mener en bas aussi, hein? Je sais pas. Hein. Non, ça monte. Ok. Ok, ok, ok. Appuyer. Ok, c'est bon. Je sais pas c'est quoi, c'est la petite boule qui est électrique. Ah non, il tombe aussi celui-là. D'accord, celui-là c'est pas le bon. Donc peut-être forcément celui-là. Ok. Faut être speed. Hein. Et lui peut-être qu'il fait le grand tour. Alors faut éviter l'électricité. L'électricité fait quoi? C'est ça le truc. J'allais voir. Ok, on perd juste des points de vie. Bon, on s'en fout. Hein. J'en fous complètement. Voilà. Ouh. Ah, ça va paralyser. Bon. Ça va aussi, c'est pas non plus... Rétablissement. Alors, il y a toi, et il y a toi. Super, en termes de points de vie, on est comment? En vrai, je vais pouvoir soigner avec Zelos. Toi, toi, toi. Au niveau des PM. Il reste plus grand chose, à moi non plus, mais ça va. Comme ça, on peut pas encore, faut aller ici. Ok. C'est marrant. Non, c'est une zone. Le rouge. Vert. Vert. Ramène là-haut. On va se croire en XP. 5985. Viens. On a un niveau. Allez, j'essaie de regagner des PM moi un petit peu. Ah, ça va Colette? Je te vois qu'elle était en rouge. Attends, va pas. Ouf, j'ai contré le cœur, j'ai avancé sur elle. Pas de bisous. Voilà. Tout ça n'utilise pas d'Arte. Et on se régène tout ça. C'est bien, mettez-vous à côté. Comme ça, j'en touche dans le même temps. Hey hey hey. Laissez-nous tranquille, s'il vous plaît. Oup. Du safran. J'ai dessus. Je peux pas lui? Ah, y'a rien. Ok. Donc. En rouge. Donc lui, je peux pas le changer de couleur non plus. Ça fait quoi le bleu? Le bleu, ça. Oula, 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 oula. Ah. What the fuck. Mais il y a encore des choses à aller chercher. Ok. Attends, attends, moi je vais récupérer les trucs quand même. Il y a du coffre. Hein. Il y a beaucoup de coffres. Anneau de la... Oh, oh. Avec de la chance, il peut vous réanimer pendant un combat. Ouais, mais j'en ai déjà deux. C'est vrai que je crois que je l'avais pas mis.
Je crois que j'en ai mis un seul personnage. Qu'est-ce qui... Ça va, Bobby, hein. Il panique, le truc. Grève en mithril. Ça aussi, on prend. Pour toi, parce que je crois que les autres, j'avais acheté déjà. Juste comme ça, on évite le combat. Boum. Boum. Donc là, il y a encore un coffre en bas. Est-ce qu'il y en a d'autres, c'est le truc. Hache en mithril. Allez, ça part. Ouf. La puissance. Attends, j'avais pas un objet que je pouvais utiliser. Si j'ai mon safran, l'évasion. Hop, pour toi. Ah, je mets tellement d'herbe à Rennes. C'est fou. Hein. Bon, après, c'est pas grand chose, mais. C'est une porte, ça? Non. C'est R3 déverrouillé. Peut-être la porte cette fois-ci? Non plus, je sais. Non, c'est R3, je sais pas quoi ça sert. Hein. Alors, il doit y avoir des coffres en bas. Hein. Ouais. Le petit monstre, on te passe. Minazuki. Et j'aime Axe niveau 4. Oula, va falloir voir à qui je donne ça. Hein. Si ça peut être bien ou pas. Il remet nous en bas. Pareil, des coffres encore. Il n'y a pas juste ça. On va tourner tout en haut. Ah, il y avait encore un coffre là-haut. Cap bénite. Et ben j'ai bien fait parce que vraiment les équipements sont vraiment cool là. Hein. Allez, il me ramène à gauche. Non, en bas. Ok, il me faudrait le coffre qui est en haut. Et lui, il me ramène ici. Ok, il me manque un coffre. C'est le rouge là-haut. Est-ce que... Rouge. Est-ce que je peux le changer, lui? Non, lui, je pouvais pas le changer. Et il me ramenait forcément en bas. Touk. Est-ce que... Rouge ici. Ça fait rien. Vert, ça fait rien. Bleu, ça fait quelque chose. Et je crois que j'ai encore vu un coffre en bas. Oh là là là. Peut-être lui. Non. C'est rien non plus. Ok, on peut encore descendre. On peut pas le changer non plus. On va le prendre quand même. Lui, je peux le changer. Coffre. J'ai mis X niveau 3. Ok. Je peux pas le changer. Ah. Bon, je vais faire le combat. Je vais pas le faire celui-là. Aquamage. Aquamage. Où est-ce que je suis? Je crois qu'il manque encore un coffre. Est-ce que pareil, je peux changer de couleur? Celui-là, non. Est-ce que lui, je peux? Lui, je peux. Je le mets en vert, par exemple. Ok, il m'emmène ici. On met en bleu. Donc cet endroit aussi je l'ai fait. J'ai l'impression d'avoir revu un coffre hein, en bas. Hein. Mais plus sûr et certain. Hmm. En tout cas je suis de retour en haut. Faire une sauvegarde. Hop. Alors, ta. Ouais, il y a bien un coffre là-haut. Oh shit. Là. Avec une porte. Avec un endroit rouge. Peut-être celui-là. Ok. C'est de le mettre en bleu. Ouais, au pire, j'essaierai d'aller le chercher par moi-même. Le bleu ne marche pas. Le blanc ne marche pas. Et le rouge ramène en haut. Okay.
Et nous, vraiment, c'est celui-là. Là. Le vert ne marche pas non plus. Le bleu ramène tout en haut. Le blanc. Le blanc fait rien non plus. Le rouge. Non. Donc ouais, ici, il n'y a que le bleu qui fait quelque chose. Et lui me ramène forcément en bas. Ok. Ah, je peux le changer celui-là aussi. Oh lolololo. bon courage pour s'y retrouver avec tout ça. Hein. Il n'y a pas un rouge là-haut? Il y a un rouge. Let's go! Ah, il y en a encore un dessus! Oh! J'aime ex niveau 1. En bleu. Je peux pas changer de couleur. En bleu pour voir. Marche pas. Celui-là non plus. Mets-le en vert. Tac. Et après, il me faudrait un bleu. Donc celui à gauche peut-être. Il n'y en a pas. Est-ce que celui-là je peux le changer? Non. Ça doit pas être loin de ça, hein. Peut-être le bleu ici. Ok. Ok. Eh ben, c'est tout bon. Oh non, il y en a encore. Oh, il y avait autant de coffres. En vert. Touc. Touc. Bon, là, normalement, c'est bon. Hein. Là, j'ai tous les coffres. J'aime ex niveau 3. Parfait, on a récupéré pas mal de gemmes. Oh, il y a encore ce bouton. Serrure 1 déverrouillé. J'ai vu d'autres serrures. Après, ouais, pour le passage qui est tout en haut, il faut forcément les serrures aussi. J'ai raté d'autres machines. Forcément, ça me dit rien. Ah merde, je voulais garder en rouge. Boum. Non. Ok. Donc là, on n'a pas de machine. En bleu. On essaie en vert. Non, rien. Pac, pac. Ok, je trouve pas d'autres boutons. Donc là, on a activé deux. Hein. Très bien. Le rouge. Là, c'était juste pour un coffre. Il n'y a pas de bouton. Tu peux retourner au-dessus. On va mettre en vert qui ramène. Ah! Ah 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 ah! Il y a un bouton en haut que j'avais pas activé? Ou j'ai déjà activé celui-là? J'ai déjà activé. Ok. Donc là, j'en ai fait deux. Mais il y en manque. J'ai l'impression. Le vert, c'est celui-là, à chaque fois, on va essayer le bleu. Le petit corps tout seul là-haut, il est heureux. Hein. Pas de bouton. Pas de bouton. Boum. Boum. Non. Je sors ce truc. Voilà. La bande ne répond pas. Ouais, donc il manquera des boutons. Ok. Eh ben écoutez, on fera ça pour la prochaine fois. Activer ces petits boutons, parce que ça se trouve, il va y avoir des combats et tout qui vont se passer. En tout cas, des choses vont se passer. Et il y a bien un ou deux boutons que j'ai dû rater dans la zone. Je les ai pas vus. Donc va falloir encore que je fouille. Je m'amuse avec les téléporteurs. Ça va être génial. Allez, des bisous, excellent cœur. Et puis, merci de votre présence. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et le pouce bleu. Allez, tchuss, c'était Agi.